Cet échange entre le président de l'Assemblée nationale, Isdan Vouba, et la ministre en charge de l'industrie culturelle et touristique, Lydie Pongo, s'est articulé autour de l'histoire commune partagée entre le Congo et la France. Ici, la ministre a réceptionné à la chambre basse du Parlement une stèle, symbole de cette histoire. Il était question de mettre à disposition du ministère de l'industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, une stèle qu'ils ont reçue de la France. Cette stèle raconte une partie de notre histoire, de l'histoire que nous avons eue, une histoire partagée avec la France. Et en recevant cette stèle qui est notre, qui fait partie aujourd'hui de notre patrimoine, nous pouvons qu'être heureux de recevoir ce stèle, parce que cela commémore un peu une époque bien que douloureuse que nous avons vécue avec la France. Cette stèle va intégrer le circuit touristique du pays conformément à l'étude que mènent le Congo et la France. Nous souhaitons que cette stèle intègre tout le circuit touristique que nous souhaitons justement mettre en place avec la partie française, pour, qui rappelle justement cette histoire où la France était chez nous, pour que nous puissions, pour qu'elle puisse trouver sa place dans ce circuit. La ministre en charge de l'industrie culturelle et touristique inscrit son action dans le développement de ce secteur appelé à contribuer à l'économie nationale.